Bonjour à tous, aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle critique, on va parler de 1917, le nouveau film de Sam Mendes. Avant de commencer la critique et de parler de quoi que ce soit sur le film, abonnez-vous, sinon vous allez être bloqué dans un plan séquence, ça c'est vraiment pas cool. Bah, 1917 en fait, ça parle de deux soldats qui, pendant la Première Guerre mondiale, vont devoir remplir une mission qui leur a été donnée par leur général. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au casting, on a évidemment des acteurs, vous l'avez deviné, enfin c'est évident. Oui, c'est évident. On a donc Dean Charles Chapman, George McKay, Colin Firth, Mark Strong et Benedict Cumberbatch. C'est vrai, des acteurs anglais, parce que le film évidemment est concentré principalement sur l'armée britannique. Oui, oui. Voilà. Au niveau des performances, ben les deux acteurs principaux qui sont assez jeunes, qui n'ont pas une très forte carrière derrière. Ils n'ont pas une énorme carrière et c'est ça qui est bien, voilà. C'est que c'est pas des têtes d'affiche que tu as l'habitude de voir. Et c'est cool parce qu'ils jouent bien. Mmh. Et moi j'ai la petite préférence pour celui qui faisait Captain Fantastic. Oui, bah George McKay. Voilà. Il a une gueule vraiment cool, tu vois. Il a un peu la tête du loser. Par contre, il y a quelqu'un qui sait pas jouer dans le film. C'est quoi? C'est la VF. La VF. Dès le début du film, on a les répliques qui sont données, on a l'impression qu'ils surjouent, qu'ils jouent faux, qu'ils jouent bizarrement. En fait, je pense savoir d'où ça vient, c'est parce que vu que le film est sorti en décembre aux États-Unis, ils ont eu genre même pas un mois. Je pense qu'ils ont pas eu le temps. Voilà, et du coup, ça s'est fait ultra rapidement, ils ont pas eu le temps de faire des répètes, des machins. Et ça se sent des fois que le lip sync il est pas raccord. Ouais, il y a plein de problèmes. Au début, Le début, il commence à parler et ça te sort vraiment du film. T'es en mode, waouh, c'est bizarre, tu sais, c'est pas raccord. Et même les émotions sont vraiment cheloues. Je sais qu'il y a un personnage, il a une voix. On dirait qu'il lit le texte. Ouais. On a toujours ce problème dans les films d'époque de guerre, c'est que c'est des films où les gens parlent plusieurs langues. Du coup, quand t'as un Britannique qui parle avec une Française, bah il parle plus de français. Oui, parce que là, t'es vraiment en mode je suis ami et tout genre. Oui, tu parles. Oui, vous parlez la même langue, les gars. Bon, on va parler maintenant du coup de la réalisation. Ouais. C'est réalisé par Sam Mendes, grand monsieur à qui on doit American Beauty, les deux derniers James Bond, du coup, Spectre. C'est un immense réalisateur qui a fait, c'est assez drôle parce que c'est un grand réalisateur, mais dans sa carrière il a pas fait 10 films, même pas 10 films. Ouais. Et c'est assez fou parce qu'à chaque fois qu'il revient, c'est avec un putain de bon film, c'est vrai. Une fois sur deux. Ou une bonne pub. James Bond, ça l'a un peu concentré dans une franchise. C'était le grand retour de ce réalisateur. Et quel film ça a été, ouais. il faut dire que le film a été vendu sur un principe de réalisation qui est que le film a été tourné en plan séquence. Mmh. Évidemment, ce n'est pas un seul plan tout le film parce que ça serait beaucoup trop compliqué. Non. Beaucoup trop cher, beaucoup trop de travail pour eux. Le principe du plan séquence, il faut pas l'utiliser quand tu as envie parce que c'est parce que c'est fun. Lui, il l'a vraiment utilisé dans le propos et dans la mise en scène. Il avait ce script en tête, il voulait faire cette histoire, il s'est dit bon, le truc c'est que ça tient en 2 heures de film. Ouais. Vraiment en temps réel, ça se passe. Ouais. Bon, il y a une ellipse à un moment donné. Oui, il y a une petite ellipse. Il y a vraiment, c'est sur un très court laps de temps et il est allé voir Roger Deakins, son directeur photo, il lui a dit je vais faire ça mais en plan séquence. Et le mec il a rigolé apparemment, il était en mode ouais mais enfin non c'est pas possible. Mmh. Et finalement ils ont travaillé ça comme ça parce que c'était la seule manière de raconter une histoire comme ça et d'en montrer l'impact que ça peut avoir sur le spectateur. La scénariste justement qui disait dans une des interviews que tu vivais le truc, les personnages vont traverser des trucs mais t'es avec eux tout le film. Parce que c'est du temps réel. C'est du temps réel mais tu les suis. Ce qui s'est passé. Voilà et en fait c'est pas un montage classique et c'est ce qui permet de frôler la réalité virtuelle. On peut voir fou mais je veux dire, t'as l'impression de vivre le film. Ce film, tu le mets dans un casque à réalité virtuelle, c'est un film à réalité virtuelle. Enfin, je veux dire, tu le vis et c'est une tuerie. C'est sublimé ça aussi par le travail avec les caméras, parce que les mouvements de caméra ont beaucoup d'importance dans ce film. La plupart des plans ont été tournés soit avec des grues, soit avec justement un mec qui tenait une steadicam. Mais les deux mélangés, surtout mélangés. Il va y avoir des grues, ils vont retirer la caméra pour la poser sur une voiture. Et en fait, c'est un mécanisme qu'il faut, je pense, répéter mais des dizaines et des dizaines de fois. Et parce qu'il y a des plans, ils font quoi, 9 minutes, c'est long, hein. Action, et pendant 9 minutes, sachant qu'il y a des explosions, il y a des gens qui se font tirer beaucoup dessus, de des trucs comme ça, et énormément de figurants, faut tout préparer en avance. Je pense que la préparation des plans devait être, mais... Justement, la préparation j'ai des plans. J'ai vu des trucs dessus. Je pense qu'on a vu. Allez voir les making-of, on les met en description si vous avez déjà vu le film. Ils sont trop bien. Par rapport justement à la préparation des plans, ce qu'a fait Mendes, c'est qu'il mesurait, il avait fait d'abord des maquettes de chaque endroit, et puis il mesurait et il disait, ok, ça dans la vraie vie, combien de temps ça va me prendre pour aller jusque là, à quel moment j'utilise ma voiture, à quel moment j'utilise des motos, parce qu'il y a des motos pour filmer. C'était un truc de malade. C'était justement, le tournage s'est passé principalement en Angleterre en fait. Et ils étaient donc dans des énormes champs, et ils ont été avec les acteurs, et en fait ils répétaient avec les acteurs, donc il n'y avait même pas de plateau de tournage, ils avaient les scripts, ils les lisaient, ils marchaient, et en fait c'était pendant qu'ils marchaient qu'ils posaient des piquets, piquets. À partir de là ils ont construit le décor, c'est donc en fait ils ont construit le décor en fonction du jeu des acteurs.
Et le décor, ils ont fait quoi, 1,5 km de tranchées. Il y a les tranchées au début, puis après les tranchées à la fin, à la plage. Ouais, c'est... Vous l'aurez compris, franchement, le making-of est fou. Moi, je vous conseille de regarder le film, déjà, de base. Et ensuite, de regarder le making-of pour voir comment ça a été fait. Et la manière, elle se sublime aussi par la lumière. Mmh. Et là, le film est très intéressant, puisque... Vous allez me dire quoi, mais qu'est-ce qui s'est passé de fou dans ce film? Eh ben, ils ont utilisé quasiment aucune lumière. Hey, tu peux pas mettre un setup fixe, vu que tu bouges tout le temps. Eh oui, Roger Deakins, le directeur de la photographie qu'on embrasse, lui, son problème, c'est que ses plans, du coup, ils tournent en 360. Il doit se balader dans des bunkers et tout. Tu peux pas caser une lumière, parce que tu vas la voir forcément, c'est logique. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dû jouer avec la lumière naturelle et avoir un ciel constant. Ouais, oui, il expliquait que en fait, il pouvait que tourner quand il y avait des nuages. Ouais. Et du coup, il y avait des fois, ils attendaient. Tout le monde attendait pendant une heure, deux heures. Et dès qu'il y avait un nuage, action, ils partaient en courant. Ils sont obligés de tourner avec des nuages parce que si vous tournez avec du soleil, le problème de soleil, c'est qu'il va donner des contrastes et ça va faire une image dégueulasse. Vous savez très bien, quand vous filmez un truc à midi, c'est moche. Il y avait des raccords aussi. Voilà. En fait, il voulait qu'il y ait tout le temps la même météo. Aussi, sinon, aussi. L'avantage aussi des nuages, c'est qu'en post-production, c'est plus facile de rattraper qu'un ciel bleu avec des petits nuages qui passent. Comme tu as dit, Flo, la lumière du soleil est diffusée par les nuages. En gros, c'est comme des softbox. Du coup, là, vous voyez, ça, c'est la soft qui nous sert à filmer les vidéos. En fait, il y a une lumière qui sort de la soft et elle est diffusée par le truc blanc. Toute la photographie du film tient là-dessus. Après, il y a un autre truc qui m'a que j'aime beaucoup chez Deakins, c'est ses gros murs de LED. Je vous mettrai une photo. C'est vraiment sa patte à lui, c'est de foutre un en fait, c'est pas un mur, c'est une structure de LED, avec que des LED autour, des grosses lumières oranges comme ça. Il avait fait ça dans Skyfall, il avait fait ça dans Blade Runner. Toujours les mêmes plans avec beaucoup de fumée pour bien cacher le truc, pour montrer qu'il y a des flammes et tout. Ça fait genre 5 étages quoi, et que des lumières. Est-ce qu'on peut parler quand même d'une des scènes les plus marquantes, je pense, en termes de lumière et d'éclairage? C'est celle dans le village détruit. Ah, justement, c'était avec ça. Ils utilisent le concept de fusée éclairante pour faire une lumière qui bouge tout le temps, qui se déplace en fait. C'est fou. Et du coup, t'as les ombres qui bougent sur le décor qui est fait en vrai. Le décor était fait. Donc, c'est vraiment incroyable déjà en termes de décor. Plus la lumière qui fait bouger tout ça, c'est comme si le décor était vivant. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'ils ont fait ces lumières? C'est assez impressionnant. Dans le making-of, ils expliquent. J'ai pas vu cette scène. Qu'en fait, du coup, ils ont refait les miniatures, comme je vous avais dit, de la scène. Et ils ont installé sur la miniature une simulation pour simuler les fusées, pour voir comment elles réagiraient sur les structures. Ce travail en amont, il est fou. On va passer à la musique du film. Plus on avance dans le film, plus la musique est présente, jusqu'à la fin où la musique est carrément plus présente. Explosive. Voilà. Doit ça grâce à Thomas Newman. Ouais, la musique est vraiment. Le compositeur. T'as un ensemble qui est déjà ouf, et chaque truc peut le sublimer. Oui, c'est ça. Bon, la technique, on pourrait en parler pendant des heures. C'est pour ça qu'on vous a mis justement en description les making-of si vous avez déjà vu le film, même si vous l'avez pas vu, ça spoil pas, ne vous inquiétez pas, ça rajoutera des détails sur des trucs qu'on n'a pas forcément dit. On peut passer au scénario du coup, et on va parler de qui l'a écrit. C'est Sam Mendes. Sam Mendes et Christy Wilson-Cairns, qui est actuellement en train d'écrire le film d'Edgar Wright, qui arrivera en septembre. Last Night in Soho. Ça va être cool. C'est un film de guerre, c'est un film du coup qui est basé sur des faits réels. Voilà. On peut dire que c'est basé sur son grand-père qui lui racontait des histoires de guerre. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que son grand-père, à Sam Mendes, était un écrivain de nouvelles pas très connu. Il a forcément raconté des histoires, et vu qu'il a fait la guerre, il a raconté justement ses histoires de guerre, dont celle-ci. On peut revenir dessus, c'est au niveau des personnages. On le critiquait dans Underwater, justement, comme quoi les persos n'étaient pas assez développés. Ou alors, on développait tous, mais vraiment pas bien. Dans ce film, les persos sont peu développés, mais c'est parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. Oui, ce qu'on raconte, c'est l'histoire, c'est l'enjeu global du truc. Les personnages, c'est des pions. Au début, on voit le personnage principal, on lui dit « Prends quelqu'un avec toi et on va t'envoyer faire un truc. » Il aurait pu prendre n'importe qui. Ouais, c'est ça qu'il voulait montrer, en fait. C'est pas leur destin. Enfin, si, c'est leur destin, mais ils n'étaient pas prédestinés à être là. Et c'est un peu une mise en scène, mais en même temps du scénario, c'est que, en fait, les personnages, comme tu dis, ils sont pas centraux, on les développe pas beaucoup, mais en fait, on les développe en fonction de ce qui leur arrive, en fonction de comment l'environnement agit sur eux. Parce qu'à chaque fois qu'il va leur arriver des petites péripéties à certains endroits, parce qu'à chaque fois, c'est aussi un truc qu'on oublie dans la mise en scène, c'est que chaque décor est différent toutes les 10 putains de minutes, ils changent de décor. Justement, les décors jouent sur les personnages, et à chaque fois, ça raconte un peu on sait un peu plus sur eux. On sait leur comportement, la personnalité, on sait leur passé, par exemple. Ouais. On a beaucoup de rappels avec la famille, notamment, parce que ils ont des photos sur Ils ont des photos sur eux, ou ils ont des copains qui sont dans l'armée aussi. Mmh. Enfin, au final, on n'a pas vraiment besoin de les développer en mode avec une intro et tout,
puisque le récit sert justement tout le long du récit, on apprend à connaître. Quand ils avancent dans le récit et qu'il leur arrive des choses, on le découvre et on le vit avec eux. On le vit avec ils eux. Vont se mettre, enfin, ils vont se faire tirer dessus d'un coup, ça va te surprendre, tu vas être pas bien avec lui. C'est vraiment, on est le troisième soldat de l'histoire. C'est ça, il y a le côté immersif, un peu jeu vidéo, tu vois. Genre, tu pourrais dire, putain, ouais, ça ressemble un peu à un jeu vidéo, t'avances. Tes quêtes et tout. C'est ça, t'as une quête, t'avances et tout. Et ce qui est drôle, c'est quand tu termines le film, c'est comme si t'avais tracé une carte mentale et tu dis, putain, je viens de là-bas en fait. Techniquement, c'est. Tu sais par où t'es passé vu que t'as suivi tout le truc. Allez voir le film, c'est tout ce qu'on peut vous conseiller. On peut maintenant parler de la suite des événements pour ce film et ce réal parce que. On l'a sûrement déjà vu, il a été nommé dans plein de catégories aux Oscars. Ouais. Il a gagné des Golden Globes il y a deux semaines. Vraiment un avenir radieux pour eux, ils vont sûrement gagner des Oscars. On prépare actuellement la vidéo sur les Oscars qu'on avait fait l'année dernière. Donc elle devrait arriver sans spoil le lendemain des Oscars, le jour des Oscars. Voilà. Le 10 février. C'est lundi. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur la critique de 1917. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ouais. Mettez un petit pouce bleu si vous êtes d'accord avec nous. Et là il y a le petit sondage comme d'hab si vous voulez. Juste dire oui ou non, si vous avez aimé ou pas. Voilà. Bah vous savez quoi, ce film m'a donné envie de faire une vidéo sur les plans séquences et ça sera la vidéo de mercredi, c'est sûr, à 1000%. Mais non, c'était absolument pas prévu, ça c'est fou. Si. Nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.